Bonjour à tous les jeunes lecteurs des bibliothèques de Montréal. Ici Marc-André Pilon, je suis l'auteur de La Revanche du Myop et du Myop contre-attaque. Mais c'est le premier tome que vous pouvez lire dans le concours Élisez-moi. C'est l'histoire, en gros, d'un jeune nerd dans une école secondaire qui voudrait sortir avec la plus belle fille, mais comme tous les crapauds qui aiment les princesses, ça risque d'être un peu difficile, elle ne trouve pas vraiment de son goût. Et il y a un intimidateur qui l'achale, place de les frapper ici dans le dos. Donc lui doit fuir l'intimidateur, séduire la belle fille, mais en plus, toujours une aventure. Dans le premier, ils partent à la recherche d'une prof qui a disparu. Mon conseil, ce serait d'avoir confiance en soi. Et cette confiance-là que vous allez dégager va attirer non seulement des amis, des regards des autres, mais aussi les gens vont moins avoir envie de vous ridiculiser, peu importe votre apparence. Si vous le faites avec confiance, ça va déjà être mieux. Si je disparais comme le prof dans La Revanche du Myop, étant donné que j'enseigne le français au secondaire, est-ce que les élèves vont venir me sauver à mon tour? Je pense pas. Mais... mais on va dire que oui, pour les biens de la cause.